Je me trouve à la clinique de santé familiale Praxis à Blainville. On est en pleine préparation pour l'ouverture officielle qui aura lieu le 21 décembre prochain. Et c'est la troisième clinique Praxis au Québec. C'est au 794 boulevard Curie-Labelle. Et aujourd'hui, on vous fait visiter. On est venu rencontrer Geneviève Dubé, qui est directrice générale ici à la toute nouvelle clinique. Geneviève, comment ça se passe, les préparatifs en ce moment? Toute l'équipe travaille très fort. On est tous très excités de faire notre ouverture le 21 décembre prochain. Oui, et là, ça va être la troisième clinique quand même. Donc, vous êtes habitués quand même. On est habitués. C'est toujours quand même excitant. Ouais. Toujours beaucoup de travail, l'ouverture. Effectivement, c'est notre troisième clinique. On a ouvert à Terrebonne en 2016. L'année dernière, à La Prairie. Et maintenant, à Blainville, notre troisième clinique. C'est quoi la clinique Praxis? Praxis, c'est une clinique de santé familiale privée qui offre de la médecine familiale sans frais d'ouverture de dossier ni frais d'abonnement. Chez Praxis, on peut consulter un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée le jour même pour un problème de santé courant, ou on peut même prendre en charge les gens qui n'ont pas de médecin de famille. Je suis avec Marie-Ève Denis, une IPSPL ici à la clinique, et là, je suis comme en consultation. Marie-Ève, c'est quoi, premièrement, une IPSPL? En fait, une infirmière praticienne spécialisée, c'est en fait une infirmière qui a fait un diplôme universitaire de deuxième cycle. Cette formation-là nous permet de vous recevoir autant pour des soins de santé courants, par exemple, si vous êtes inquiète que votre enfant ait peut-être une otite ou si vous avez besoin de points de suture, par exemple. Sinon, on vous reçoit également pour des suivis annuels, des bilans de santé, en fait. Ces bilans de santé-là nous permettent de recevoir autant enfants, adultes, personnes âgées pour faire le tour vraiment de votre santé. On peut aussi vous accueillir pour faire des suivis de maladies chroniques, par exemple diabète, hypertension artérielle. On est là pour autant faire le suivi au niveau de la médication, besoin d'ajustement, prescription, ou encore pour ce qui est de l'enseignement, pour que vous ayez un bon contrôle de votre maladie. Qu'est-ce qui fait que tu apprécies ton rôle comme IPSPL ici à la clinique? Bien, en fait, ce qui est mis de l'avant chez Praxis, c'est vraiment le travail d'équipe. C'est toujours agréable de consulter les collègues pour offrir les meilleurs soins pour les patients qui viennent nous voir. La qualité des services et des soins donnés est vraiment ce qu'on met de l'avant. Si une situation dépasse notre expertise, à ce moment-là, on travaille en collaboration avec le médecin. Donc, ça nous permet de mettre nos connaissances ensemble et puis de pouvoir offrir des bons soins aux patients. Merci beaucoup, Marie-Ève. J'ai adoré ma consultation. Parfait, au plaisir. On se trouve avec Kimberly Hunter, qui est coordonnatrice ici à la clinique. Merci de nous accueillir dans ton bureau. Merci, Jessica. C'est quoi ton rôle ici chez Praxis? Mon rôle comme coordonnatrice, c'est de m'assurer du bon fonctionnement au niveau opérationnel, mais également de m'assurer de la pleine satisfaction de notre clientèle. Et justement, comment on s'est adapté ici avec la situation actuelle de la pandémie? C'est sûr qu'on a dû adapter au niveau de notre pratique. Il y a des procédures qui ont été mises en place. Par contre, là, au niveau des consultations, ça se fait toujours, ça peut être fait en virtuel, mais également en présentiel. Puis soyez assurés, là, le tout est conforme au niveau sécuritaire pour notre clientèle. Et là, à compter de quand on va pouvoir accueillir des gens ici dans la nouvelle clinique? La date d'ouverture, c'est le 21 décembre. Nous allons être prêts là, pour accueillir notre clientèle du lundi au vendredi de 8h à 21h. Ils sont également ouverts les samedis de 9h à 16h. Nous allons demeurer ouverts durant la période des fêtes, à l'exception là, du 25 décembre et du 1er janvier. Et si les gens d'ici là ont des questions, veulent avoir plus d'informations, il y a un site web? Exactement, le www.cliniquepraxis.ca. Vous pouvez également là, suivre notre page Facebook Clinique Praxis et notre page Instagram. Merci beaucoup. Merci. Bon succès, bonne ouverture. Surtout. Merci beaucoup.